Salut, là c'est vrai. Là un matin, on part de Natachouane et on se rend au bout de la route. Kegaska, nous voici. Donc suivez-moi une journée au bout du monde. Kegaska. L'impossible arrive. Un flat, la pire endroit à Kegaska, au bout du chemin. Loin de tout. Pas de garage un dimanche. Heureusement, j'ai des bons samaritains pour m'aider. Ouf! L'adrénaline dans le piton. J'ai pas peint à Kegaska. Ça n'a pas bien été. En arrivant à Kegaska, j'ai fait le tour pour montrer un peu, faire un peu de vidéo avant de m'installer pour peindre. Puis, il y a un monsieur qui m'a dit, parce que pour se rendre à Kegaska, c'est au moins 40 à 45 km de gravel. Il y a un monsieur qui m'a dit, c'est un pneu de mou en arrière. Je me mets à parler avec. Puis, il me dit, plus loin, tu vas voir Brent, il y a un compresseur, puis il devrait être bon pour te le souffler. J'arrive dans la cour de Brent, puis il n'était pas là, tout était fermé. Je regarde pour un towing pour m'amener à un garage. 200 km, c'est le Havre-Saint-Pierre, c'est 200 km. Ça veut dire que le towing aurait fait 200 km pour venir me chercher, 200 km pour me retourner au garage pour changer mon moteur. Ça n'avait pas de bon sens. Là, j'ai dit... J'ai une roue de secours en dessous que je ne me suis jamais servi depuis que j'ai le troc. Je démange le cric pour... Puis la barre, je l'avais passé à un de mes fils déjà, puis la barre n'a jamais retourné pour dévisser les noix et tout ça. Donc j'avais le cric, mais j'avais pas la barre. J'étais pas plus avancé. J'étais pas capable de faire ma roue. Jackie, tout d'un coup, je vois le garage de construction en avant, puis il y avait du monde. Dimanche, à Kegaska, t'es au bout de la route, il n'y a rien, là. Tu sais, là, c'est... Puis Natashquam est à 45 km par là. Donc, je vois trois travailleurs, je me tiens à distance pour la COVID, bien entendu. Je me dis, auriez-vous un box ou une barre parce que j'ai un flat en avant, puis là, ils disent, il n'y a pas de problème, on va aller t'aider, mais on, pas de barre, on va prendre l'impact, puis on va prendre le Skytrack, puis on va te lever ça, puis tout. Alléluia. Mais
le pneu, on a dévissé, le pneu était collé tellement que, tu sais, ça fait des années, fait que le pneu était collé, ça a pris des brailles barres puis tout ça. À la fin du compte, ça nous a pris à peu près 10 minutes, tout était fait. J'ai voulu les récompenser, puis bien récompenser, parce que je savais que ça me coûtait une fortune, ils n'ont jamais voulu. Puis là, ben j'ai ma roue de secours, puis j'en ai pour 200 km sur la roue de secours pour me faire réparer au Havre-Saint-Pierre-Montflat. Oh, un char qui passe. Donc, je suis brûlé. L'adrénaline, j'ai eu un choc d'adrénaline parce que là, je me voyais pris pour rester à Kagaska jusqu'à demain. Peut-être après-demain, parce qu'il aurait fallu qu'il me fasse venir un temps heure. Aucune idée comment j'aurais pu m'en sortir. Mais là, avec ces trois gars-là, là, c'est des anges pour moi. Là. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé. Mais il y a du bon monde partout. Donc, là, j'ai popé à Kagaska. J'ai fait de la vidéo. Je vais vous montrer ça. Je prends la route en descendant. J'ai fait Natashquam, donc je m'en vais bien pépère. Peut-être, selon comment ça va, puis je file, j'arrête à Aguaniche, parce que je voulais refaire un bon gros sketch à Aguaniche. Je suis désolé, dans ce vlog-là, c'est l'histoire de la vie d'un peintre, c'est ça un vlog, là. C'est pas juste vous montrer des démonstrations, vous montrer que ça va pas toujours bien. Donc, c'est une journée comme ça. C'est une journée, ça va pas bien. En réalité, j'ai eu une chance incroyable. Ça a bien été. Barnac, arrête de te plaindre, Mario. C'est une journée magnifique. T'étais à Kagaska, tu vas avoir une histoire à compter toute ta vie, arrivé au bout du monde. Puis, chanceux dans ta malchance, il y a du monde qui te sauve la vie encore un coup. Fait qu'on continue le voyage.
s'arrête ce soir. Je suis allé le Michon. Ça fait partie maintenant de Aguaniche. Donc, c'est ici que je jette l'ancre ce soir. J'ai manqué de batterie tantôt pour la fin de mon sketch. Je vous le montre à l'instant. Il est vraiment à mon goût. Une journée d'émotion. Je suis fatigué, je suis brûlé. J'étais brûlé déjà après l'incident à Kegasco. Demain, Bill Winbetz, ça va être une autre journée. Ciao, bye. J'ai plus de gaz. That's all.